Sinon ça me pousse. Allez, salut à tous. Ouais. C'est Zarat. On se retrouve sur Life is Feudal. Je suis avec Baba. Ouais, ouais. J'ai bien dit là. Baba, ouais. Il est là. Avec Yann Alain. Bon, bah lui. Il est pas là, lui. Son remplaçant. De merde. Et avec Trio. Ouais. Salut. Bon, c'est qui? Mais c'est pas grave. Bah, c'est qui lui? Bah, vous emmerde. Je connais pas. Un mec random. Donc, Life is Feudal, hein, pour ceux qui savent pas, mais bon, ça m'étonnerait qu'il y en a qui savent pas, mais on sait jamais. Est un jeu de survie médiévale, mais oui. Pas n'importe quel jeu de survie médiévale. C'est un jeu de survie médiévale, on galère. Oui. Où tout est long à faire, où il y a des compétences absolument. Poignante. Voilà, absolument poignant. D'ailleurs, faut faire 4 poignées, Yann. Je peux pas faire les poignées. Ah, il faut faire des poignées, quoi. Pour... Oh là là. Faut des poignées pour un chaudron. Attends. Moi, je pensais que c'était pour les portes. C'est pour les chaudrons. Donc voilà, il y a 30, des compétences. Faut 30 en menuiserie. Ah, oh, bah oui, mais je les ai, les niveaux 30. Il faut peut-être prendre déjà le. Le marteau. As-tu un marteau? Oui, non, j'avais pas de marteau. J'avais pas de marteau. J'ai pas de marteau. Non, mais. J'ai même pas le truc qui apparaît dans l'interaction, tu sais. Y'a rien. Donc voilà, y a des compétences générales, des compétences de combat. Mais je suis niveau 90. Laisse le monsieur parler, il fait une vidéo pour la populace. Non, je montre un peu l'arbre des compétences. Donc, compétences de combat avec tout ce qui est le dressage de chevaux de guerre, les armures, les armes, etc. Et les compétences secondaires qui est tout ce qui est mouvement, autorité. Natation, j'avais pas vu ça. Ah oui, natation. Ouais. Équitation et activité générale, c'est-à-dire manger tout ça. Et on a des émotions. Faire ses besoins. Ah oui, il y a des taunts et tout, attends. Des taunts. Ah, j'avais pas vu, attends. C'est quoi ça? Il rigole, rigoler. Honorer, vas-y, je vais prendre ça. Et non, mais je peux pas travailler le bois avec le couteau. Provocation. Non, mais c'est pas grave, je fais autre chose, je verrai. Pour le bois. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il fait? Oh yeah, mes frères. Tiens, regarde, je t'honore. Partageons notre pain. Et là, je te provoque. Oh, t'es en train de branler une biche. Oh, bien, bien ça. Ah, mais vas-y. Oh, c'est pas moi, hein. Et ça y est, ça part en faille. J'ai plus que 25 PV. Encore, j'ai remonté un peu comparé à tout à l'heure. Parce que monsieur Yann Alain m'a lapidé. Voilà. Et on, mes parce frères. Qu'il est dissident. Parce qu'il m'avait déjà lapidé aussi. Et il m'a mis dans les pommes, je le précise. Je me rends, j'ai entendu. Oh le soumis, t'as pour moi. Oh le soumis. Oh, oh, oh. Il est mort. Mon one shot. Non, quand tu te rends, ça t'assomme, ça te tue pas. T'es assommé. Mais du coup, toi, ça d'accord. Fait des malus ou je sais pas quoi. Assassin. Non mais genre, je savais pas, moi quand tu te rendais, tu pouvais mourir, enfin tu pouvais te faire assommer direct. Si tu te rends et que la personne met un coup avec une arme non létale, ça l'assomme. Ouais. Et si c'est un coup avec une arme tranchante, ça le tue. Oh, oh putain, t'es pieds. D'accord. Ah bah tu vois, Baba, on aura appris un truc avec toi. Ouais, ça me rate le pied gauche, il bouge tout seul. Attends. Oh, range ton couteau toi, malheureux. Faut l'achever. Un coup de pelle. J'entends crier. Attends, il me reste 10 points de vie. Attends, c'est quelle touche la pelle? Merde. Voilà, c'est ça. Chaque wifi. Non mais le tape pas. Non, le tape pas. Non, allez. Mais t'es le mec, je suis sur le point de taper. Putain. Oh, je sais pas ce qui me retient là. Allez, faites un combat de pelle, nous faites pas chier. Non, j'ai que 25 PV, dégage. Je suis ton père. Alors, viens là. Je suis ton père et père. Oh madame, veuillez vous agenouiller et me faire une fellation. Mais putain. C'est bon, j'arrête. Qu'est-ce que tu fais? Tu me fouilles? Elle me fouille. Me fouille pas. Je suis pas en train de te fouiller, je suis en train d'essayer de te soigner. Ah, merci. Merci camarade. Bon, allez, je vais couper des planches moi. Et en même temps, je suis en train d'améliorer ta forge et ton enclume là. Comment on fait pour le couper le truc? Non. Dégage. Il m'a tapé. Il m'a touché. Ah, il t'a touché par ricochet. Non, c'est parce qu'il a fait un coup large, tu sais. Ouais. Genre le mec il loupe son coup mais il touche l'autre derrière. Tu peux m'aider pour le... Oui. C'était quoi qu'il fallait d'ailleurs? Faut de la roche taillée, donc faut aller chercher des cailloux et ah oui, c'est de vrai. La roche taillée. Sérieux. Mais quel bâtard.
Je crois que je vais devenir médecin parce qu'on va vite en avoir besoin. Oui, oui. Alors. Eh, c'est pas moi qui t'a foutu à conscience, c'est Yann. Quoi? Mets-toi un peu plus près. Oh merde, il est déjà levé. Ah. Merci. Enlève-toi. Vite. Enlève-toi. T'as avec la planche, est-ce qu'on peut la travailler, la planche? Bonjour. Ah, mais ta soeur avec ton couteau, toi. C'est pas un couteau, c'est une hache. Ah, bon, ça va alors. Bon, ça va alors. Bah, ça va, dis, ça va déjà mieux. Bon, allez, on arrête de faire les enfants. Oui. Eh, si... Ah, la barre du bas, c'est les PV, c'est ça? La ouais. Barre du haut, et c'est. L'inconscience en haut. L'inconscience, ok, bah j'ai 4. Si t'as plus de barre en haut, t'es inconscient. D'accord, ok. Ouais. Je reprends un peu de. Ouais. De... Pourquoi je vraiment voir comment on fait trio pour le. Pour le bois là. Ouais. Je trouve pas. Ah, attends, faut que j'attends. Je suis en train de chercher, je sais pas comment ça marche là, le truc pour les pour améliorer la. Avec la faux là. Donc voilà, c'est un jeu très complet. Pour trouver des champignons, je sais pas comment ça marche. Mais très long, faut être patient. Bah, faut. T'en as dans n'importe quel coin d'herbe ou faut chercher? De quoi? Ah, faut mettre chercher des herbes, c'est ça? Tu veux faire quoi? Améliorer la compétence déjà de... avec la fossile. Ouais, chercher des herbes. Bah, c'est la cueillette que tu vas améliorer. Ah oui, d'accord. Non, c'est connaissance de la nature que je suis en train d'améliorer là. C'est pas ça. Ouais, bah, pour la cueillette, il faut cueillir des baies ou des champignons dans les herbes, tu peux. Tu trouves ça comment? Bah, dans les herbes avec ta fossile, clic droit. Y'a pas, moi j'ai pas cueillette quand je suis dedans. Bah, ça dépend, faut t'ailles un peu plus près de la forêt, ça dépend des herbes ah en si, fait, je crois. Cueillir des plantes sauvages, ça y est. Ouais. Cueillir des plantes sauvages, c'est Non, c'est agriculture ça. L'agriculture. Non, hein, non, je crois. C'est bon. Non, non, c'est bon, parce qu'il a pris la fossile, du coup, ça doit être ça. Non, non, c'est non, l'agriculture. On va voir. C'est l'agriculture, c'est... regarde l'icône, c'est le truc de fourche. Ouais, c'est agriculture, vous avez raison. Attends, non, c'est. Des agriculteurs, faut là. Que tu prennes l'icône de la fossile. L'amour est dans j'ai le pas. Pas tu l'as la pas fossile. Bah faut que t'améliores des. Je sais pas, tes compétences. Bah si, je l'ai, j'ai l'icône de la fossile. Moi j'ai la fossile, j'ai l'icône, mais j'ai pas dans la. Dans les tâches. Dans les tâches, quand tu fais clic droit sur l'herbe. Oui. T'as tes tous les trucs que tu peux faire. Oui. Est-ce que t'as une icône de fossile? Non. Voilà. Et pourtant donc, j'ai la compétence de fossile. J'avais un marteau. Ah si, là je l'ai. Là, ah voilà, là, ça dépend des endroits, ouais. Faut aller plus près de la faut forêt. Aller, je faut crois. Aller près des gros buissons. Ouais. Faut aller sur les gros buissons. Et ah, là, tu ça. Peux faire des trucs. Ouais, merci. Je vais vous faire des potions pour vous tuer. Des potions empoisonnées. Ah, merci. Je vais vous les donner. On peut même pas les manger, les trucs qui font des malus. C'est vrai? Ouais. T'as essayé? Bah, je fais clic droit, j'ai que lâcher. Alors que les autres, tu peux les manger. Faut peut-être forcer les gens, tu sais, pour forcer, tu sais, quand il est en train de se le rendre ou un truc comme ça, tu peux lui donner à boire. Oui. Ah. Je t'offre à boire. Gentil, merci. C'était du poison. Manger de la poudre. Y a plus besoin de planche, hasard. Ah merde, ah bah oui, bah j'en cite plus tout à l'heure, moi. Oh, bravo. J'en suis à combien? Bah oui, j'ai 10 planches sur moi, j'en fais quoi? Bravo, bah, moi. Tu les manges. Tu t'appelles puanteur. Pour la peine, je vais les poser au milieu de la route comme un gros sac. Voilà. Oh, le criminel. Respecte le travail des gens. Thug Life, qu'est-ce qu'il y a? Bah, du coup, faut essayer de la poutre. Ouais. Ça, ça va être encore plus chiant. Ah, les poutres, c'est plus chiant. Elle utilise plus vite le bois. Alors, c'était via quoi? On faisait des on pierres. On s'éclate. Et faut que tu prennes ta pioche. Pour les pierres taillées, prends ta pioche. On s'en jaille. Alors j'ai ma pioche, oui non, j'ai récupéré des cailloux. Tu prends tu laisses sur ta pioche. Ah fais, oui, on est avec ta pioche. Fait, merci. Tout à fait le faisant. Succès déverrouillé, Master Carpenter. Sculpté, roche taillée. Produire en quantité. Et le mec. Il faut de la quantité. Carpenter. Attention, vous êtes surchargé, bah oui connard. Vous. Ouais, tu peux prendre que 3 poutres. 3 poutres. Mais j'ai encore rien cueilli, j'ai rien réussi à cueillir depuis tout à l'heure. Ah bah Mako. Ah j'en ai que 2. Ouais j'ai déjà des trucs sur moi aussi, c'est peut-être ça. Il me faut de la bouffe. Bah va pêcher, va chercher des pommes, je sais pas, va chasser. Mais ouais, oh, moi c'est je long, suis le menuisier. Bah ouais mais on peut tout faire mon serveur.
C'est ça. Ah, j'ai une baie comestible. J'ai trouvé une baie. Ah, tu vas te j'ai faim. Oui, ouais, bah, moi aussi j'ai faim. Je crois que ça rapporte autant qu'une pomme. J'ai saisi ma faim. Fram. Deux baies comestibles. Ouais. J'essayerai la pêche après la vidéo là. La pêche, ça monte très très vite la chasse. Bah vas-y, t'as un point d'eau là pas loin. Bah oui, il y a le lac au-dessus donc. Comme ça, tu leur montres et comme ça, tu me nourris en même temps. Attends, bah attends, je vais. Alors une canne à pêche, ça se fait comment? Tu es en train d'améliorer ma cueillette, ça va aller plus vite maintenant. C'est bien, cueille moi. Ça fait un peu pédophile là. Viens cueillir le. Y accueillir le nectar. Une mine dans la grosse montagne. Ah, les mines sur la grosse montagne sont strictement interdites. Ah bon? Oui. C'est ce qu'il y a écrit là. Oui, non, mais déjà, faut même pas construire sur la grosse montagne apparemment. Ça fait bugger le serveur. Faut pas aller sur la grosse montagne quoi. Voilà. Et jouer au jeu, on peut ou. on peut jouer. Alors les mines, ils ont dit les mines, ils ont pas dit le. T'as le droit de miner en surface, mais t'as le droit de faire une mine. C'est pas RP. Je pense qu'il y a encore des bugs avec la grosse montagne si tu fais une mine dedans quoi. Un truc qui traverse la montagne. Oh là, comme ça je vais avoir cueillette 90. Et après c'est quoi? Herboriste. Sauf je m'en fous, je l'ai déjà fait alors. Ah le rebelle. Tu glaces. Ah non mais c'est trop tard. Ah il me faut de la fibre végétale pour la canne à pêche. T'imagines si tu devais chercher du minerai dans le sol, etc. Ah non mais là j'avoue c'est. Pour déconner. Ouais mais je pense que s'il dit ça c'est qu'il a dû voir. Ouais bah maintenant il sait que c'est toi. Bah non, moi j'ai posé la question, j'avais le droit de miner en surface. Ouais, juste pour débloquer le minage 30, ça veut dire en gros je l'ai fait pour avoir le minage 30. C'est possible le minage en surface? Bah non mais gratter... Oui cependant, aucun gravat ni terre doit être déposé sur les flancs de la montagne. Tout ce que vous minez, vous l'emmenez. Oh. Ah, c'est les changements de niveau en fait sur la montagne qui. Bah putain, j'ai fait de ces niveaux moi. J'ai dû dépenser au moins 400 cailloux et minerais quoi dessus. Et je faisais aussi, on n'a pas le droit de le faire. Non. En gros, faut éviter la grosse montagne quoi. Sauf si t'emmènes tout avec toi. C'est trop tard ce jeu. Trop bien de s'amuser au jeu, tu sais, de profiter de la montagne pour voir les minerais. Oui. Oui, ouais, bon après. Je suis un maître cueilleur. Non, mais bon, je m'en fous, je suis déjà passé niveau 60. Bon, je peux chercher ici si vous. Alors, je regarde les baies, combien ça redonne de bouffe, je vais vous dire. Ça redonne 3 de bouffe. Ah, ok, rentable. Super. Pas rentable. Ouais, mais tu peux peut-être faire des préparations avec. Hein. Ouais, tu peux peut-être faire un pancake. C'est quoi cette canne à pêche là qui fait la taille de l'univers? Elle est énorme, t'as vu? J'ai un gros bâton dans le dos. C'est ça? Bon, allez, je vais vers les le lac. Monster Hunter. Je pars pêcher. À l'autre bout de l'univers, hein, je vais croiser un sanglier, ça va être génial. Mais là, on a toujours pas fait de feu de camp. Les sangliers, c'est le némésis de ce jeu. Ouais, non, mais trop. Y'a un mec là-bas? C'est qui? Bomba. Ouais, c'est moi qui suis en train de miner. Au milieu de la bite. Ah non, c'est pas nous. Y'a un mec. Une installation est là? Ah ouais, je le vois. Il se barre, non? Non, mais je sais pas, il traverse. Il est de le confronter, hein. Oui, c'est vrai. Je vais aller le voir, attends, je vais lui dire bonjour. Fais gaffe, hein, t'as que dalle de vie. Allo? Jeff, il a peut-être une épée, hein. Salut. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en position de combat. Hello. Ah, ça va. Il regarde la forêt. C'est qui ce gars-là? C'est quoi la touche de vocal? Vous allez bien? C'est quoi la touche de vocal? C'est une vidéo. Oh, j'ai trouvé des pommes. Une vidéo. La touche de vocal, c'est quoi? C'était bonjour. Bonjour. Ah, il parle dans le jeu. Ah bonjour quand même. Ah coucou. Des coucous. Seigneur Azarath. Redvire l'Enail, le joueur. Salutations. Dis pas bonjour. Azarath ne dit pas bonjour. Il dit bonjour aux autres mais pas à moi. Non mais deux secondes, Spi. Il est en train de parler avec quelqu'un, Spi. Je viens de tuer une belle poutarde. Comment? Je viens de tuer une poule pour me faire une belle pitance. Ah,
Bah bon appétit d'avance alors. Moi je pars pêcher. Bah, pêche du poisson, tiens. Y'a la bonne pêche. Merci. Il me dit j'ai tué une poule pour une bonne pitance ce soir. Il me dit. Je vois un vieux tas de plumes par terre, je dis d'accord. Allez. Amuse-toi bien. Ah mais y'a un village là sur la plage. Oui, y'a un village sur la plage. Oh c'est pas grave, j'y vais en simple pêcheur, hein, c'est bon. Il est dangereux un bateau. Oh, arrête, tu l'as poursuivi avec une pelle, peut-être le mec il va trop connaître. Ça avance en fait. Ah oui, le mec que j'ai poursuivi. La forgée en plus, ça avance. Ouais. Oui, donc bonjour Speedcraft. Bah, salutations, comment vas-tu? Bah, ça va. Ça va. Je suis en train d'enregistrer la petite vidéo sur. Ouais. Tu bosses mal. Life. Ah, ils ont un beau petit village avec des petites barrières et tout, les mecs, hein. Ah, ils sont mis bien là. Des petits enclos, des petits machins. Hein. On les fera après, mais je peux les faire les enclos, mais pour le moment, je fais de quoi vous soigner parce que vous arrêtez pas de vous taper dessus là. Bah, en fait, faut que tu débloques la compétence soin pour que tu nous soignes directement. Parce ah oui, que mais... les herbes, tu peux pas faire de préparation qui soigne. J'aime les herbes. Ah, ouais, que les herbes, on fait du rondelet. Vous avez faim. Tout n'est pas instantané dans le jeu. Oh, j'ai gagné plus de 40 vues en un jour. Allez, Aza, bouge ton cul. Ah, je suis à l'eau là. Alors, comment on fait? Pêcher. Tu lances le truc dans l'eau et t'attends que ça morde. D'accord, alors je balance la canne. La barre se remplit, qu'est-ce que se passe-t-il? Tu attends. D'accord. Y'a pas de mini-jeu à la con ou... Non, tu attends. D'accord. Maintenant tu attends. Dans la vraie vie, t'as cru que franchement, il faut l'atteindre et se secouer la canne. Pour faire des herbes là. Tu es herboriste maintenant, pour faire des herbes, comment tu fais pour le monter? Alors tu fais clic droit. Ah bah une fois que tu sais comment trouver des herbes. J'essaie de trouver des herbes. Tu as cherché des herbes, ça fait popper des herbes, après faut que tu les cueilles. Alors je mets dans connaissance de la nature, je mets chercher des herbes. Ouais. Ok. Une fois que c'est fait, tu vas voir, t'auras des petites herbes qui vont popper, mais des fois faut bien regarder. Oh. 19 de faim, je vais mourir. Tu sais qui va mourir? Moi. Et t'es où? Devant toi, je crois. Que j'ai de la bouffe sur moi. Ouais, t'as des graines. Oh, j'ai trouvé un saumon. Belle prise. Oh, il m'a dit belle prise. Mon préféré. Oh la belle bête. Vas-y. Viens. Je suis la non, non, attends, je veux du saumon, moi. Jean-Luc, mon cul, viens. Je veux du saumon. Je veux de la vraie bouffe. Et j'ai retrouvé encore un saumon. Ah, c'est bien la pêche. Je vais faire ça souvent, je crois. Oh, je vais pêcher avec mon petit bonnet, mon brin de blé dans la bouche. Et puis voilà, c'est bon, ouais. Merde. Attends, excuse-moi, je me suis trompé. Oui, donc, mort. Une fois que t'as trouvé tes herbes, trio. Merci. Oui. Une fois que les herbes sont popées et tout, tu mets ta souris dessus et tu fais clic droit, récolter herbes médicinales. Pour le moment, j'arrive pas à trouver d'herbe pour le moment. Mais il faut bien regarder, ou alors tu passes avec ta souris et des fois t'as un menu qui apparaît. Enfin, tu vois, faut que tu cherches des herbes. Ça en mais fait c'est popper, dans quoi, tu les récoltes. Qu'elles apparaissent, c'est dans connaissance de la nature ou c'est dans cueillette? Bah dans cueillette, t'as un truc chercher des herbes? Non, j'ai pas dans cueillette, c'est dans connaissance de la nature chercher des herbes. Ouais, voilà, c'est dans connaissance de la nature alors. Je connais la nature. Mais faut que t'ailles, des fois, faut que t'ailles un peu plus loin, tu sais, dans les. Près des arbres et tout. Je vais aller un peu plus loin. Et alors ça fait popper des fois des espèces de muguets, tu vois. D'accord. Et pour les qualités supérieures, c'est des petits buissons à baies rouges. Mais mini, quoi, des trucs tout petits. Compliqué. Ah, j'ai trouvé une morue. Oh la morue! Oh la bacalhau! Ah, c'est pas mal la pêche. Bon, bah après, voilà quoi. T'as vu, ça monte vite aussi, hein, tes compétences. Ah, bah je suis déjà à 70, chasse et pêche. Ah, ouais, ça monte super vite. Moi j'avais monté à 90, ça va très vite. Après, il faut voir si tu peux le cuisiner le truc, hein, parce que. C'est un peu dangereux si c'est mal cuisiné. Non, mais le saumon. Il faut un bâton, il faut juste un bâton. Bon, ça se mange frais, hein, comme les ours. Mais non, honnêtement, je trouve rien. Avec tes herbes. Je rien. Regarde bien, parce que normalement, dès que tu fais chercher des herbes, t'en as toujours. 3 ou 4, facile.
Emmenez-les. C'est bon, la maison d'Aza est finish. Oh, voilà. Bon, bah, je rentre au bercail. Je ramène un peu de poisson. Poiscaille. Vrai que vous ah oui, j'en ai là. Du chaud. J'en ai une qui a poussé devant moi là. Voilà. Mais c'est sur 3 ou 4 mètres de si périmètre hein, que ça pop les herbes. Elle est plus grande. Donc c'est pour ça qu'il faut bien regarder. Hein. Tu regardes aux alentours et tout. Une Vertatos Onda 1. Voilà. Une fois que tu as ces herbes là, il faut les mélanger. Et là, c'est là que tu t'amuses, tu vois. S'amuse. Il te faut un mortier et un pilon. Pour mélanger deux herbes. Alors, qu'est-ce que j'ai comme poisson sur moi? C'est bon, t'as ta maison, Aza. Faudra que tu la... Tu la bénisses. Paye de champagne. Le chaudron, comment on fait? Non, créer. Ah, j'ai un hareng, une morue et deux et trois saumons. Alors, les harengs, c'est pas super. Ça nourrit pas beaucoup, les harengs. Ah, je peux créer des coffres. Oh, bien! Oui, mais il faut du métal pour faire les coffres. Ouais, faut du. Bah, c'est bon, Baba il est au four depuis hier. Je peux faire un trône. Ouais, mais je peux pas faire ce qu'il faut encore. Faut la forge, faut la forge, il est en train de la fabriquer. Des tonneaux, une table d'alchimie. Ah, mais tout ça, je peux le faire aussi, tout ça. Mais oh, fais un chaudron. En fait, si tu les poses, tu verras que tu pourras rien crafter pour le moment parce qu'il t'a pas les matériaux pour. Ah, d'accord, c'est de merde quoi. De la merde. Pousse rouge. Et toi, tu voulais quoi? Un chaudron? Ouais. T'es sûr que ça fait pousser des plantes à chaque fois? Oui, oui. Il y a vraiment rien. Hein. Bon, faut regarder, ça en fait popper 3 ou 4 tout le temps. Mais les petits muguets là, ils sont vachement pétés. Et faut que tu ta souris pile poil dessus, tu vois, c'est vraiment. Pété. C'est pour ça que c'est chiant, herboriste. C'est non, chiant, je sais pas le faire. Ah, le menuisier. Bah, le menuisier qui te fait un chaudron, j'en vois pas beaucoup. Hein. Chaudronnier. C'est qui le roux qui se balade là? Le quoi? C'est qui le gars qui va sur la montagne là? Là, sur la montagne? Ah, bah, c'est un gars random, d'accord, qui se balade. Qui va sur la montagne. Mais créant. C'est un intrus. Ah, j'ai bien suivi, ça y est. On voit à quoi il ressemble, les petits muguets. Bah, je vais voir quand même. Qu'ils construisent pas quelque chose. Ah, en fait, tant que tu les as pas vus, c'est difficile. Mais une fois que tu sais à quoi ça ressemble, c'est plus simple. De toute façon, les poissons, on peut pas les manger comme ça. Ils sont pour tout à l'heure, là. Ah, non, les poissons. C'est la sacoche de ma guitare. Les poissons, on peut pas les manger comme ça. Ah, il est là le mec. Qu'est-ce qu'il veut? Vous avez abîmé les parties utiles de cette plante. Oh merde. Ouais, ils ont plein de coffres. Quoi? Ils ont plein de boîtes en écorce. Ah oui, en écorce, mais rien. Au-dessus de la montagne. Mais ah, ils sont installés juste au-dessus? Non, ils sont pas installés, ils ont juste mis des boîtes en écorce. Je pense qu'il y a... C'est de la merde, les trucs en écorce, c'est de la merde. Oui, c'est pour mettre 2-3 objets dedans, quoi. Tu mets rien dedans, tu mets ça à 50 de poids. Bon, je vais arrêter la vidéo ici. Hein? Ok. Bah, ouais. À plus dans le bus. À plus YouTube. Sans là, Aza, il va faire la live dimanche soir. Non. Oh, de toute façon, la vidéo, elle sera pas uploadée avant, je sais pas quand. Le temps que je la monte, que je fasse le rendu. Oh oui, tu crois pas, là, y'a quoi dans les coffres? Oh, y'a de la bouffe. Y'a de la viande et tout. Prends tout. Ah, ça sert à rien, ça devient une cuire. Ils ont de la peau et tout, ils ont du fer. Ah, mais ça doit être une expédition. Bah, non, mais attends, ils vont savoir que c'est nous si on prend. Ouais, non, vole pas, laisse les moments. Bah, tu sais, 2 ou 3 trucs. Ça se verra pas. Bon, allez. Pas besoin. Bon les gars, je vous laisse ici. Voilà, c'était une petite vidéo sur Life is Feudal pour vous montrer un peu à quoi ressemble le jeu, même s'il y a déjà moult vidéos sur YouTube. Mais aussi pour vous dire que voilà, j'en ferai peut-être en live le samedi. Voilà, en général en live, il y a des live battle Mountain Blade, mais on pourra bouger sur ce jeu-là après la line battle, vu qu'une line battle ça dure pas énormément de temps. Voilà, histoire de faire des lives un peu plus longs. Donc je pense qu'on se retrouve samedi pour un live là-dessus.
Et peut-être une ou deux petites vidéos s'il se passe un truc. Voilà, j'enregistrerai. Le bouton F9 est prêt. Voilà, donc encore merci à tous d'avoir été présents pour la FAQ. C'était génial. Et j'ai vu que vous avez apprécié fortement. Donc je suis content. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ça s'arrête pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde.